Mes chers amis, mes chers confrères, permettez-moi avant de commencer de remercier le comité d'organisation du corps médical privé de Schlaf de m'avoir invité aujourd'hui et d'être là aujourd'hui parmi vous pour participer à ce prestigieux forum. Merci pour votre accueil, merci de m'avoir bien accueilli. Ce n'est pas ma première fois que je viens en Algérie, je suis peut-être algérienne maintenant. Donc c'est ma quatrième fois, mais c'est ma première fois que je viens ici à Schlaf. Donc, comme d'habitude, je suis fortement bien accueillie parmi mes frères, mes sœurs. Donc on est un seul peuple finalement. Et je vous remercie vivement pour votre hospitalité. Voilà. Et donc, je voudrais, avant de commencer de plonger un peu dans les présentations, juste souligner un point très important, que ce qui se passe en Palestine ou en Philistine, ça nous touche énormément en tant que monde arabe, en tant que musulman. Et à Rafel Imen, on est solidaires envers eux. Et vous avez montré à maintes reprises votre solidarité envers ce peuple, pareil que les Tunisiens. Il y a un dicton ou un proverbe, si je peux dire, en Alger, que vous dites pour les Tunisiens et les Algériens sont « khawa khawa ». Et j'aime bien ce mot. Et aujourd'hui, avec notre peuple palestinien aussi, la Philistinine, Twins, Algezérine, on est Khawaha. Donc, toute notre solidarité aujourd'hui, toute notre pensée va vers ce peuple-là, ce peuple d'Algérie qui souffre énormément. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je vais juste ne pas trop tarder. Je suis docteur Emna Hidoussi, donc SACLI. Je suis professeure agrégée en odontologie conservatrice endodontie. Je travaille à la faculté de médecine dentaire de Monastir, où j'exerce mon activité en tant qu'enseignante, mon activité hospitalière à l'hôpital. J'aime bien approfondir mes compétences cliniques scientifiques, donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de formations dans le domaine de l'imagerie, dans la pédagogie médicale, j'ai fait un CEC en urgence médicale, etc. Et donc j'ai beaucoup soif d'apprendre, et j'aime bien apprendre, j'aime bien répondre à plusieurs questions qui touchent notre pratique. J'ai assuré plusieurs formations ici en Tunisie ou ailleurs. Et bien évidemment, pour mon activité scientifique, j'ai pu publier énormément d'articles scientifiques. Donc voilà, j'essaie de contribuer à la communauté scientifique tant que je peux et avec le temps que j'ai aussi. Et j'espère que ça n'impacte pas ma vie familiale parce que sans la famille derrière, on ne peut pas vraiment très réussir. Voilà, donc je viens de là, je viens de la petite ville de Monastir. Donc c'est une toute petite ville, on a une seule faculté en Tunisie. Donc là, les deux petites photos en bas, c'est la ville de Monastir. Donc on a une belle plage, un beau cadre, une belle ambiance de travail. Un temps toujours agréable, presque printanier. Donc voilà, alors si je suis aujourd'hui, ce n'est pas pour promouvoir le tourisme. Bon, si je suis là, c'est, vous vous en doutez, je vais parler de l'endo minimalement invasif, de ma spécialité. Et c'est vrai, parler en 30 minutes de ce thème, de ce large thème, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que je vais très être un petit peu speed et très brève. Alors j'ai mis deux petites définitions qui concernent le traitement endo. Une première définition qui date des années 90. Et la deuxième définition, celle des American Association of Odontists, à peu près des années 2020. Pardon. Donc, pour montrer tout simplement que la définition de ce traitement reste toujours la même. C'est une thérapie qui est indiquée pour traiter les inflammations, les nécroses, les complications de la nécrose. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Et donc, finalement, lorsqu'on va traiter une dent avec une nécrose, avec une complication, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une nécrose pulpaire, à une infection bactérienne, à une invasion de bactéries, de toxines. Donc, les choses vont être plus compliquées par rapport, entre guillemets, à une inflammation pulpaire. Et donc, je vais vous montrer juste le résultat d'une méta-analyse, d'une récente méta-analyse sur les parodontites apicales ou sur la prévalence de cette parodontite apicale dans le monde. Cette revue a montré que carrément 52% des patients ou des gens en fait ont au moins une dent avec une parodontite apicale, que cette forte prévalence elle est essentiellement dans les pays industriels et que une forte prévalence elle est aussi associée aux parodontites apicales avec certaines maladies systémiques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc finalement, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire lorsqu'on va faire ce traitement endodontique pour traiter cette pathologie, c'est de faire le traitement endodontique. On reste dans les choses acquises dans l'endo. Le traitement endo, ça se base sur ce fameux trépied
la triade de Schilder, décrite par, je crois, dans les années 70, qui repose sur quoi? Sur trois piliers, on va dire, la préparation, la désinfection et l'obturation canalaire. Alors, ce traitement, il va prévenir, mais aussi traiter les lésions périapicales, il repose sur une préparation et une désinfection qui sont deux étapes très étroitement liées. C'est-à-dire, on parle d'une préparation chimio-mécanique, d'accord, biologique aussi. Donc, ce qu'il faut faire par la suite, c'est d'assurer l'obturation qui va être le reflet de ce que vous avez fait durant la préparation. Et donc, ce traitement endodontique ou la triade endodontique, aujourd'hui, on arrive avec succès, on va dire, à guérir ces lésions, à avoir un succès du traitement endodontique qui peut aller, selon un article à un autre article, on peut aller à un taux de succès qui peut atteindre carrément les 95% décrits selon certains auteurs. Mais là, attention, lorsqu'on parle d'un chiffre ou de succès, il ne faut pas oublier que le traitement endo repose sur le respect de l'asepsie et de l'antisepsie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de chiffres sans pour autant dire qu'il faut travailler sous digue. C'est absurde. Le traitement endo doit être fait obligatoirement sous digue. Autrement, on ne peut pas espérer grand-chose. D'accord? Alors, et avec l'avènement, comme mes chers confrères, le professeur a très bien parlé, le docteur a très bien parlé du numérique, mais aussi aujourd'hui, on parle aussi d'avènement du numérique en endo, mais plutôt d'une endodontie minimalement invasive, dont le seul souci de conserver au maximum la dent et d'éviter sa fracture. Parce qu'on a vraiment toujours peur qu'une dent traitée endodontiquement se fracture. Et ça se voit, et on le voit. Et on s'est posé la question, pourquoi cette dent se fracture? Pourquoi il y a des fractures sur des dents traitées endodontiquement ou en cours de traitement même? Parce que tout simplement, c'est imputable, c'est lié à quoi? À la quantité des tissus dentaires perdus. Plus la dent présente de structures dentaires perdues, plus elle va être sujette à des fractures. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait, comme mon dentisterie est minimalement invasive, on est plus vers le conservateur, on est plus vers un traitement qui conserve plus la structure dentinaire, c'est-à-dire on fait des curetages très minimes. La même logique, elle s'est calquée sur l'endo. D'accord? Et donc, on assiste aujourd'hui à un changement de paradigme qui est un modèle axé sur la préservation tissulaire maximale. Mais ce changement de paradigme, si vous voulez, n'a vu le jour que grâce à des progrès techniques, technologiques. Okay? Donc on ne peut pas parler d'endo minimalement invasif sans parler de certains moyens qui vous aident à faire ça, y compris les moyens de grossissement. Parmi les moyens qu'on a, des moyens simples, comme les loupes. Si vous ne travaillez pas avec les loupes, essayez de commencer quand même avec les loupes, si vous n'avez pas de microscope. Parce que les loupes, ça vous améliore quand même, ça améliore avec précision la vision des choses. D'accord? Ça vous donne une netteté d'image meilleure qu'avec l'œil nu. Commencez par des loupes galiléennes qui peuvent aller jusqu'à grossissement 4. Ce qui est recommandé lorsque vous allez faire un endo, c'est le grossissement 4. Si vous allez faire de l'ortho pour éliminer tout ce qui est composite après des bagages, etc., vous pouvez faire avec le grossissement 2 et 3. Mais ne commencez pas directement avec des systèmes de fort grossissement parce que vous allez un petit peu avoir la tête qui tourne, d'accord? Commencez doucement, mais commencez quand même. Alors, et c'est vrai que dans ma pratique, moi j'adore mes loupes, enfin j'ai mes loupes à grossissement 4. Regardez la netteté des images. Avec un grossissement 2, vous ne voyez pas les fils. Si on va dans un grossissement 4 et 5, on voit carrément des détails qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ça fait vraiment une énorme différence lorsque vous faites essentiellement la cavité d'accès. D'accord? Alors, si vous avez un microscope, eh ben, les choses vont être meilleures. Votre vision va être améliorée. Votre compétence va être beaucoup mieux, bien évidemment. Et votre traitement en dos, pareil. D'accord? Avec le microscope, on arrive à voir beaucoup de détails. On arrive à gérer des cas très complexes, des perfos, voire des fractures, des craquelures au niveau des dents, à traiter les fameuses fractures instrumentales. Et parmi d'autres évolutions, si vous voulez, ou d'autres moyens qui vous permettent de faire cet endo minimalement invasif, c'est le fameux CBCT, le cone beam, qui est obligatoire aujourd'hui pour faire de l'endo minimalement invasif. Alors, ce CBCT, c'est vrai, c'est un moyen qui a vraiment bouleversé notre pratique parce qu'il vous permet, dans le cas de lésions périapicales, d'apprécier cette taille de lésion-là, d'accord, et de voir si vous êtes face à une lésion avec ou non de rupture de corticale, parce que ça peut changer la donne, ça peut changer votre carrément pratique en endodontique.
Ça vous permet de planifier, ça ce sont mes cas, de planifier le retraitement endodontique de façon chirurgie orthograte, et peut-être pourquoi pas ne faire par la suite la chirurgie. Des cas de chirurgie endo, c'est indispensable de faire le CPCT pour voir les surtout de, et se faire attention aux obstacles anatomiques. Et bien évidemment, dans certains cas, moi j'aime bien les reconstructions 3D, dans certains cas ça vous permet vraiment de donner une image bien nette, de, comme dans ce cas-là, de la fenestration osseuse qui existe. D'accord. Et donc, c'est grâce à ces outils essentiellement que j'ai mis les loupes, les moyens de grossissement, mais c'est le CPCT, qu'on peut parler aujourd'hui de cette endo minimalement invasive qui repose sur la préservation tissulaire et qui touche essentiellement trois volets. L'accès endodontique qui va être essentiellement conservateur, la mise en forme canalaire qui doit respecter surtout l'apex, c'est-à-dire pour respecter la forme et la position de l'apex, mais tout ça sans, si vous voulez, négliger les impératifs mécaniques et biologiques que vous connaissez parfaitement. C'est-à-dire les impératifs qu'on nous a enseignés concernant la préparation doit être d'une certaine conicité régulière, ce qu'elle est sur l'anatomie originale. Là, on ne doit pas négliger ce paramètre-là. Il faut respecter impérativement ça. Pareil pour tout ce qui est impératif biologique, pardon, il manque un S. Il ne faut pas oublier que la désinfection de ce réseau endodontique, c'est très important. Donc, si on va faire de l'endo minimalement invasive, ok, faites-le si vous pouvez, mais n'oubliez jamais ces impératifs-là, mécaniques et biologiques. Ça reste toujours d'actualité, c'est la base. Alors, je vais commencer par la cavité d'accès endodontique qui est toujours la voie du succès endodontique. Si vous ne réussissez pas votre cavité, vous n'allez pas réussir votre traitement endodontique, ça va de soi. C'est la porte de votre succès. Commencez par là déjà. Prenez votre temps à faire une bonne cavité d'accès. Et je le dis souvent à mes étudiants, ne vous précipitez pas sur les limes ou sur le système mécanisé ou sur le moteur. Prenez le temps de bien voir la porte que vous avez ouverte pour accéder à cette endodonte-là. Alors, et aujourd'hui, on assiste à quoi ? À une évolution de ces formes des cavités d'accès endodontique. On est passé d'une traditionnelle access cavity, AC, c'est access cavity, c'est-à-dire cavité d'accès, d'accord ? Une cavité qu'on enseigne toujours dans nos facultés, je pense qu'ici c'est la même chose, hein ? Et à des cavités de plus en plus conservatrices, allant jusqu'à Truss access cavity. C'est des cavités que vous avez peut-être entendu parler de ninja, de fameux ninja. Et des cavités qu'on fait à travers des lésions carieuses comme ça ou des restaurations. C'est des cavités très très étroites, très conservatrices. Et on se demande parfois comment on peut faire ça. D'accord ? Alors, je vais commencer par la fameuse traditionnelle cavité d'accès qu'on nous a appris, qu'on enseigne toujours. Ce qu'il faut savoir rapidement, c'est que ce sont des cavités d'accès qui sont dites anatomo-respectueuses, qui respectent donc la forme anatomique, si vous voulez, morphologie des dents, et se projetant sur le plafond pulpaire au niveau de la face occlusale ou face linguale. Elles répondent à des objectifs et un protocole standardisé décrit par certains auteurs, comme Machtou ou Simon. Et bien évidemment, c'est une cavité, ce qu'il faut retenir là, c'est le strain line access cavity, c'est-à-dire c'est une cavité qui va permettre un accès direct, en ligne directe, des instruments jusqu'à la partie apicale sans aucune contrainte. Et c'est ce qui définit ce genre de cavité traditionnelle. C'est ce fameux straight line access cavity. C'est dans le but tout simplement d'éliminer cette dentine tertiaire qui s'appose généralement, suite à une lésion carieuse ou avec l'âge. Et cette dentine-là, elle va constituer un obstacle à vos instruments qui peuvent parfois se fracturer à cause de ce triangle-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est une relocalisation de ces entrées-là pour éliminer ces éperons dentinaires et avoir votre accès sûr et reproductible des limes K ou mécanisées jusqu'au tiers apical. Donc comment on va faire? C'est tout simplement en utilisant soit des openers avec des systèmes précis, soit des inserts ultrasonneurs que je vous recommande d'utiliser, bien évidemment, sous moyen de grossissement, qui sont très conservateurs de structures dentinaires. Alors, en ce qui concerne maintenant, je vais passer aux cavités d'accès endodontique minimalement invasives. Avec les cavités minimalement invasives, il n'y a plus de cavités standardisées. Là, on est complètement dans des cavités non standardisées. C'est essentiellement ce qu'on appelle des cavités personnalisées. C'est en fonction des cas. D'accord ? Ce n'est pas un protocole comme avec le traditionnel qu'on doit respecter pour chaque patient. C'est des cavités qui vont répondre à de nouveaux objectifs et de nouveaux outils.
C'est-à-dire, on n'a plus vraiment cette sensation, on repose plus sur cette sensation tactile qu'on recherchait avec les cavités traditionnelles, mais là, on est plutôt dans la sensation visuelle de ce genre de cavité. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les minimalement invasives, il n'y a plus de straight line access. C'est-à-dire, on ne recherche plus cet accès direct, donc de cavités d'accès. Et ceci, ça a été essentiellement grâce à une évolution des instruments, on va le voir, et des moyens de désinfection endodontique. Bien évidemment, les cavités d'accès endodontique minimalement invasives, elles ont pour but essentiellement de conserver cette dentine péricervicale qui existe pour éviter essentiellement les cas de fracture et améliorer surtout la résistance biomécanique des dents. Donc finalement, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est des cavités ninja, voilà, des cavités, ce qu'on appelle Trust Access Cavity. Donc des cavités qui sont très conservateurs sur le plan tissulaire, avec une élimination pratiquement inexistant du plafond pulpaire, c'est-à-dire on fait directement des accès dirigés vers la corne pulpaire ou dirigés vers le canal. Et moi j'ai mis un mot comme ça que j'ai qualifié carrément parfois d'utopie, c'est-à-dire d'irréel parfois. D'accord ? C'est vraiment très compliqué à faire, il y a des auteurs qui font ça. Vous le voyez peut-être sur des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peu importe. Et vous vous demandez sans doute comment ils ont pu faire ça, est-ce que c'est possible ou pas ? Oui, ils ont pu faire ça. Mais attention, il y a du vrai, du faux. D'accord ? Donc, ce que je peux vous dire par rapport à ce genre de cavité, c'est que le problème avec ce genre de cavité, c'est que si on peut faire ça, c'est uniquement grâce à cette imagerie 3D du CBCT. Ces auteurs ne font ce genre de cavité que grâce à ça. Si on n'a pas de CBCT, eh ben restez dans les cavités traditionnelles. D'accord ? Ça, c'est obligatoire. Autre chose, ça a été énormément critiqué sur le plan littérature. On a critiqué deux choses. On a critiqué la possibilité, ou plutôt le fait qu'on est plus dans un risque d'oublier un canal, et donc on expose plus le patient à un risque de contamination, et donc à un échec. Et d'autre part, il y a le risque qu'on ne peut pas désinfecter, complètement éliminer cette pulpe. Donc comment on peut faire? Comment on peut nettoyer un canal comme ça? Comment on arrive à éliminer cette corne-là qui peut être une niche de bactéries? Ça a été vraiment très très critiqué. Et d'autres critiques, en fait, on a pu carrément répondre à une question, est-ce que vraiment ces cavités d'accès peuvent ou améliorent la résistance mécanique? Eh bien, la revue systématique ici a montré qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le minimalement invasif et le traditionnel en termes de résistance mécanique. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va rester dans le traditionnel, ok, mais tout en étant conservateur. C'est-à-dire, on doit trouver un petit chemin entre le non conservateur du tout et l'utopie que j'ai parlé tout à l'heure. Ok ? Donc, et autre technique de minimalement invasive aujourd'hui, c'est les cavités d'accès endodontique guidées. C'est l'endodontic access cavity, qui sont une technique, si vous voulez, décrite et surtout faite pour traiter les calcifications totales de la dent. Dans certains cas, suite à un trauma, parfois le patient il ne consulte pas, mais il consulte pour un motif esthétique à part. En faisant le traitement, la radio, on s'aperçoit qu'il y a carrément une calcification totale de la pulpe, ou parfois une calcification partielle, mais il y a juste une lumière au niveau du tiers apical. Donc on se demande comment on peut traiter ce patient-là ou cette dent-là sans, bien sûr, perforer ou fragiliser la dent. Parfois même, en ouvrant avec un microscope, on n'arrive pas à retrouver le canal tellement c'est calcifié, effectivement. Donc d'où cette technique-là, ça consiste en fait à profiter du numérique, comme on a dit, donc d'avoir un CBCT pour un petit champ, bien évidemment, ici, parce qu'on n'est pas dans l'implantologie. Nous, on cherche toujours les petits détails, on est très, très minutieux, on va dire. D'avoir ce fichier, le fameux DICOM, et ensuite, on va prendre une empreinte pour le transformer en fichier STL. Donc, généralement, on préfère les empreintes numériques, quoique on peut faire aussi avec le classique. Et à ce moment-là, on va visualiser la conception d'un guide chirurgical avec l'axe du forage, d'accord ? Comme pour l'implant, pareil. Et généralement, c'est une technique qui commence à apparaître sur la littérature. On utilise généralement des forêts de 0,8 à 1,5 mm, d'accord ? Pas très large, on reste dans le minimalement invasif en ce qui concerne la préparation canalaire. Et donc, on va confectionner le guide endodontique classique. On va par la suite, donc ici le CBCT juste pour montrer que la calcification elle est presque totale. Il y a juste une petite lumière ici au niveau du tiers apical. Donc on va visualiser le trajet du canal, ok. Et ensuite on va préparer le guide et commencer à forer.
Et directement, une fois qu'on va tomber le canal, bien évidemment, on ne va pas trop préparer le canal. On reste dans du 4% de conicité. On n'a pas besoin de plus que ça, d'ailleurs. Et ensuite, on désinfecte, on décontamine, bien évidemment, et on assure l'obturation canalaire définitive. Et j'ai commencé mon premier cas. J'ai voulu partager ça avec vous dernièrement. Ça, c'est une patiente qui m'a été adressée avec un problème de localisation du canal, où le praticien, il a essayé de chercher le canal, mais regardez le désastre qu'il a fait en cherchant le canal. Il a malheureusement trop fragilisé la dent. D'accord ? Et donc, avec le microscope, il n'y avait aucune lumière canalaire. Donc, avec un CBCT, je vais vous montrer une vidéo. Donc, j'ai demandé un CBCT à la patiente. Donc, carrément, ici, il y a juste une petite lumière à la fin. Il y avait c'est en cas de trauma, hein. Il y avait un fragment ici qui était isolé au niveau apical. Donc, on a fait la même chose, l'empreinte, le CBCT. Et là, on a commencé le forage. Je vous montre juste la radio post-opératoire. Regardez. Là, ce que vous voyez, c'est juste une résorption interne. D'accord ? Et là, on a un fragment qui va rester, qui va être sujet à une chirurgie périapicale ultérieurement. OK ? Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est qu'on va, comme j'ai dit tout à l'heure, rester dans les cavités endodontiques traditionnelles, parce que c'est des cavités qui sont reproductibles, universelles, standardisées, qui restent toujours d'actualité, et qui nécessitent surtout un plateau simple, économique. Donc, la fraise boule, préférée la LN, l'encol, et la fameuse endosette. Mais attention, s'il vous plaît, à l'endosette. Je l'insiste souvent, ne jamais forcer sur l'endosette. Respectez l'axe et faites attention, est-ce que c'est vraiment une endosette ou pas? À pointe émoussée. OK? Alors, cette cavité vous répond parfaitement aux objectifs de votre traitement endodontique, biologique et mécanique. Et n'oubliez jamais ça, c'est que c'est une cavité, c'est une entité qui doit être dynamique, c'est-à-dire dans la forme, dépend de l'anatomie endodontique, s'il vous plaît. J'aime pas parler de triangle, de trapèze, etc., mais j'aime parler de l'anatomie endodontique, c'est ça ce qui définit. C'est-à-dire on peut avoir, pour un même patient, une cisse du gauche et droite qui ne sont pas pareilles du tout. D'accord ? Et donc, si vous allez faire ce traditionnel, je vous recommande vraiment, tout à l'heure j'ai parlé des inserts, d'utiliser les inserts ultrasonores qui vous permettent d'éliminer dans certains des calcifications pulpaires, d'éliminer les ponts dentinaires, mais surtout ces inserts-là doivent être utilisés sous forme diamantée, sans irrigation pour bien voir, pour avoir un visuel si vous voulez direct, sans pression latérale, sous aide optique, indispensable. Alors, parmi les inserts que vous avez besoin pour votre cavité, commencez avec l'insert boule ou cylindro-conique, en tout cas, qui vont permettre d'éliminer ce surplan et de rechercher les canaux calcifiés. Alors, moi, j'utilise le Lokit de Talel Nahlewi, donc celui de T3 à T4, c'est en jaune là, ce sont les inserts qu'on utilise pour repérer éliminer les calcifications, et vous arriverez, comme dans ce cas-là, à repérer le fameux 1V2 et le 1V1, bien évidemment. D'accord ? Tout en restant extrêmement conservateur. Je vous montre juste comment travailler avec les inserts. Alors, bien évidemment, les inserts, il faut que vous les utilisez avec pression, mais avec prudence et sous un faux grossissement. Regardez comment on peut utiliser un insert par un mouvement de brossage un petit peu latéral, d'accord ? Sans pression. Et regardez que la quantité de débris qu'on peut éliminer carrément. Mais on reste toujours dans le conservateur, c'est mieux que les forêts de Gates. À la limite, si vous n'avez pas des inserts, utilisez les openers, ce que vous voulez comme marque, mais en tout cas, respectez le mouvement de brossage. Alors, je passe rapidement à la mise en forme, il me reste 10 minutes. Donc la mise en forme canalaire aujourd'hui a été simplifiée grâce à quoi? À cette révolution endodontique. Par le traitement thermique du fameux nickel-titane. Vous entendez parler du traitement thermique? Alors, le traitement thermique, il est apparu pratiquement depuis plusieurs années, de 2007, et aujourd'hui, on parle de plusieurs termes, MY, R-Phase, SCM, etc., le gold, le blue, et on se perd un tout petit peu. Retenez tout simplement qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent sur marché, normalement, en tout cas en Tunisie, c'est le traitement thermique. C'est-à-dire, si vous allez faire de la mise en forme, oubliez le classique, oubliez le conventionnel. Pourquoi? Parce que le traitement thermique, il vous donne des instruments qui sont plus flexibles, mais avec une résistance à la fracture cyclique essentiellement. Attention, je ne dis pas que ça ne se fracture pas. Ça se fracture aussi, mais c'est meilleur, on va dire. Okay? Donc, il faut juste respecter le protocole et savoir comment utiliser et manier ces instruments-là. Donc, si vous allez choisir le gold ou le blue, bien évidemment, avec les instruments gold, vous êtes plus dans la flexibilité avec une bonne efficacité de coupe.
avec les instruments en bleu, carrément ils sont bleus. Là, on est plus dans la flexibilité, mais on diminue l'efficacité de coupe. D'accord ? Alors, pour le traitement, comme vous savez très bien les étapes, on passe de la cavité d'accès au glide path, à la détermination de la LT, suivi de la mise en forme. Je vais juste parler du fameux glide path. Le glide path qu'on fait avant de commencer à prendre vos instruments, on va faire la première chose après avoir fait la cavité d'accès, prendre une LIMCA, essayer de vérifier, de chercher la perméabilité apicale. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le glide path qu'on fait, c'est une finalité. C'est-à-dire, lorsqu'on prend une ligne 10-15, après, on va créer ce fameux tunnel qui existe depuis l'entrée coronaire jusqu'à l'orifice, jusqu'à la constriction apicale. Okay. Et ce glide path-là, il est très important et ça va vous sécuriser la préparation canalaire par la suite. Alors, j'ai mis cette photo de chien de traîneau. Le fameux chien qui est justement en avant, ce n'est pas le plus fort. Non, pas du tout. C'est un éclaireur. Le plus fort, il est là. C'est les instruments de préparation. D'accord ? Donc, c'est pareil. Le glide path, va préparer la trajectoire pour que les instruments d'après sachent qu'il faut y aller dans ce sens-là et non pas dans un autre sens. OK ? Et donc, généralement, ce qu'on fait, ce qu'on nous a appris, c'est l'utilisation de ces deux fameuses limes. 10, parfois 8, 6, si le canal il est très fin. Mais généralement, c'est notre fameuse lime 10 qui nous aide énormément. Si vous faites du glide path rotatif, utilisez toujours la lime K10. C'est indispensable. D'accord ? Ne jetez jamais, achetez toujours plutôt des limes K10. Mais c'est à usage unique. Donc si vous utilisez la lime K10, il faut la jeter immédiatement après, surtout pour des canaux fortement courts. L'avantage du rotatif par rapport au manuel, c'est qu'on est dans des instruments à conicité 3%, donc plus de conicité par rapport au manuel, et avec des préparations qui vont être beaucoup plus élargies. Par exemple, vous prenez ici de 0 à D16, pour une conicité de 2%, pour une lime K10, vous êtes à 42, ici on est à 62. Donc on va faire une petite micro-préparation, moi je dis ça, et ça va être plus rapide qu'avec les limes 10-15. D'accord ? Mais indispensable d'utiliser la lime K10 avant. Alors, regardez l'empreinte ici des limes 10. Lorsque vous utilisez, vous faites du manuel, regardez la lime, comment elle va être carrément précourbée à la fin, parce que c'est vraiment une lime qui est très intelligente, qui va calquer, si vous voulez, l'anatomie de votre dent. D'accord ? Qui va vous avoir vraiment cette sensation tactile et avoir une idée sur votre anatomie. Alors, pour la mise en forme, donc, vous pouvez utiliser, je vous recommande d'utiliser des instruments traités thermiquement, d'accord ? Il y a des séquences qui incluent donc des openers, du glide path rotatif et des instruments de préparation canalaire. Et aujourd'hui, les systèmes de préparation, ils sont très ingénieux parce qu'ils vous donnent des conicités à 4 à 6% avec des diamètres de 20 jusqu'à 25. Donc ce n'est pas obligatoire d'aller directement jusqu'à 25-6%. Parfois, on peut s'arrêter jusqu'à 25-0,4 en fonction, bien évidemment, du cas clinique. D'accord ? Le succès, si vous voulez, il dépend de quoi ? Il dépend aussi de votre protocole opératoire à respecter le protocole de la préparation canalaire pour arriver finalement à une obturation qui arrive, on va dire, à le reflet, si vous voulez, de la qualité de votre préparation canalaire. OK ? Donc là, juste, je vous montre des cas cliniques de traitement endodontique. Pardon, je montre là un cas d'abcès fistulisé en rapport avec la centrale. Donc là, ce que je veux essentiellement mettre l'accent sur quoi ? Sur le fait que ce ne sont pas les systèmes mécanisés qui ont permis une cicatrisation ou une dent en cours de cicatrisation, mais c'est essentiellement l'irrigation qui a permis ça. C'est-à-dire, les systèmes de préparation, ça vous offre une voie, ça vous prépare un canal pour que l'irrigation puisse arriver en profondeur et arriver à désinfecter le canal. Autre cas, là, c'est une lésion endoparo. Regardez l'image. Pratiquement, c'est une dent qui n'était vraiment pas conservable. Mais j'ai tenu bon, le patient a été motivé. Il y avait une complémentarité entre la paro et l'endo. On a fait un assainissement parodontal. J'ai préparé l'endo et regardez le gain ou ce qu'on a pu obtenir. D'accord ? Alors, je voudrais juste pratiquement insister sur autre chose, c'est que pratiquement, là, l'étude, elle a montré que les parois des proportions radiculaires non instrumentées lors de la préparation canalaire, elle est au minimum de 35%. C'est-à-dire, quel que soit le système que vous allez utiliser, n'oubliez jamais que les instruments n'arrivent jamais à atteindre l'ensemble de l'anatomie endodontique. D'où l'importance de quoi ? De cette phase d'irrigation finale. Et c'est pour ça qu'avec les instruments aujourd'hui traités thermiquement, avec des instruments courts de préparation canalaire, vous allez avoir un temps de préparation court, mais
pour un temps de désinfection un petit peu prolongé. Et c'est ce qui est très important en endo, c'est cette irrigation endodontique qui est très très importante. Donc voilà le protocole d'irrigation final. Alors une fois qu'on a préparé le canal, on va irriguer avec l'hypochlorite de sodium à 2,5 à 3%, on va l'activer. Alors en ce qui concerne l'activation, certes il y a beaucoup de ceux qui parlent de sonore et d'ultrasonore, si vous pouvez le faire, allez-y. Sinon, une technique toute simple, c'est la technique de Machteau, l'hydrodynamique, de prendre un mètre cône et d'agiter. Mais l'agitation doit être rapide. Et pendant 30 secondes, doit être rapide, d'une amplitude de 2 mm. Donc, vous devez avoir mal à la fin. Avoir mal à votre main. D'accord ? Ensuite, vous allez aspirer, placer le DTA solution à 17%, l'activer aussi. Même technique, si vous n'avez pas les ultrasons, la technique de Machteau, votre mètre cône. Activer. Aspirer, remettre l'hypochlorite. Pourquoi ? Parce que cette DTA, il a éliminé cette boue dentinaire, cette phase minérale de la boue dentinaire. Donc on a exposé les tubulis dentinaires, ok ? Donc l'hypochlorite de sodium, il va pénétrer dans ces tubulis-là, il va encore décontaminer et désinfecter. Pareil, on réactive par la suite, ok ? On arrive, et je termine, par l'obturation canalaire, finalement qui va être le reflet de votre qualité de la préparation canalaire. Aujourd'hui, l'obturation a été très simplement, simplifié, on va dire, par l'avènement de plusieurs matériaux notamment. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites un traitement endodontique, n'oubliez jamais que vous n'arrivez jamais à stériliser le canal. Vous allez décontaminer votre canal, vous allez réduire la masse ou la charge bactérienne. Il va y avoir encore des bactéries. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va bloquer ces bactéries-là dans cet endodonte-là, dans cet espace. Comment on va bloquer ces bactéries-là? Comment on va les priver de toute source de nutriments? C'est en faisant un scellement apical étanche par votre obturation canalaire, par votre mètre cône, et en faisant un scellement coronaire ici qui doit être étanche aussi. Donc vous allez étanchéifier, pardon, vous allez bloquer l'endodonte à un niveau coronaire et à un niveau apical. D'accord ? Donc lorsqu'on va faire une obturation canalaire, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est de bien ajuster votre mètre cône au niveau apical. Prenez le temps de jauger votre diamètre apical. Ne vous précipitez pas à prendre le mètre cône et de le placer, de faire l'obturation, ce n'est pas ça le but. D'accord ? Et ce qu'on recherche, c'est de faire cette 3D obturation, cette obturation 3D. Lorsqu'on prend une radio, qu'on voit que c'est tellement radio-opaque, on est fiers. Oui, on cherche ça. Mais n'oubliez jamais que la radio rétro, c'est 2D. On ne voit pas vraiment l'obturation 3D. Est-ce qu'on fait du 3D finalement? On se pose la question, est-ce qu'on peut faire réellement du 3D à 100%? Est-ce qu'on est sûr? Non. Non. Pas du tout. On va réduire au maximum le volume, si vous voulez, vide à l'intérieur du canal, mais il y aura toujours du vide. Parce que la gutta percha, avec le chaud, avec le froid, elle se rétracte surtout avec le chaud. Donc il y aura toujours des microfuites. C'est pour ça qu'il faut étanchéifier au niveau coronaire et au niveau apical. D'accord ? Donc finalement, avec l'avènement des biocéramiques comme technique d'obturation canalaire, ce qu'il faut retenir avec les biocéramiques, c'est qu'ils sont bioactifs. Bioactifs parce qu'ils contiennent du silicate de calcium essentiellement. Il y a la forme pâteuse qu'on utilise pour l'obturation canalaire, comme le ceracil ici, ou bien forme poutie qu'on utilise pour les perforations du plancher ou radiculaire, peu importe. Okay ? Alors, l'avantage fameux de ces biocéramiques, c'est qu'ils sont à une bonne viscosité, donc on peut avoir un étalement parfait à l'intérieur du canal, et ça donne une bonne capacité d'étalement sur les parois canalaires. Et c'est l'avènement des biocéramiques qui a permis de revenir à la fameuse technique monocone qu'on faisait avec le génat, mais qui n'était pas bonne, parce qu'il y avait une perte d'étanchéité. Donc tout simplement, ça consiste à bien adapter votre mètre cône, à remplir le canal avec biocéramique, et ensuite à placer ou sceller le mètre cône. D'accord ? C'est une technique très très simple et très rapide à faire. Alors je vous montre juste la technique, comment utiliser le biocéramique lorsque vous faites une obturation canalaire. J'ai presque terminé. Donc juste, je crois qu'il reste 2-3 diapos. Alors regardez, avec les biocéramiques, vous avez des embouts qui sont très flexibles comme ça, qui peuvent atteindre pratiquement la moitié radiculaire de la racine ou du canal. D'accord ? On n'a pas besoin d'atteindre l'apex, pas forcément, parce qu'il est fluide. La biocéramique, elle est fluide, elle va s'étaler facilement. Ok ? Donc on va placer, on va essayer juste ici l'embout. On va injecter. Voilà. Donc juste parfois, il y a du liquide clair qui sort, comme ça, c'est le conservateur. Ensuite, on va remettre, on va injecter. Alors il faut faire attention, lorsque vous injectez, il va y avoir une certaine résistance, une force.
Donc si vous, vous ressentez une force, il faut juste reculer un petit peu l'embout pour ne pas éclater et injecter en remontant l'aiguille au fur et à mesure en direction coronaire. Okay? Là, on enduit un tout petit peu le maître cône avec de la biocérame. Regardez. Ensuite, on va placer, on va sceller notre maître cône à l'intérieur du canal. Voilà, on va prendre le maître cône. Ça, là, elle est un petit peu... Voilà. D'accord, c'est un petit peu flou ici. Donc regardez le mouvement qu'on fait. On prend la pressène, c'est comme si on fait un mouvement hydrodynamique de cilaire pour qu'il puisse aller même dans les canaux secondaires, latéraux, etc. C'est clair? Juste comme si vous brossez un tout petit peu la paroi. Regardez le puff, c'est sorti. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites un dépassement avec un biocéramique, le deuxième point que vous devez retenir avec ces fameux produits, biocompatible. Aucun problème. Aucun problème. Bioactif et biocompatible. D'accord? Là, on sectionne avec un instrument chauffant et par la suite, on condense verticalement. D'accord? Donc là, je vous montre rapidement des cas cliniques. L'avantage ici de ces racines, c'est que ça permet vraiment d'obturer de façon tridimensionnelle. Là, j'étais face à un canal qui se rejoignait, deux canaux qui se rejoignaient au niveau apical. D'accord? Autre cas, je ne sais pas si ça va être visible, regardez le canal accessoire. D'accord? Ça, c'est l'avantage vraiment des biocéramiques par rapport à l'eugénate, par rapport aux acrocyles, aux fameux résineux aussi. Cas de fistule cutanée, un patient qui a consulté suite à un trauma, les deux centrales étaient nécrosées, la centrale, pardon, était nécrosée. J'ai fait le traitement endodontique. Là, je vous montre le recul après un an et demi. Regardez l'image, comment elle était. J'aurais aimé avoir un CPCT, sauf qu'il n'avait pas le moyen ici, le patient. D'accord? Mais ce n'est pas grave, l'essentiel est là. L'essentiel, c'est que c'est une lésion en cours de cicatrisation. Je termine par insister sur le fait que ces biocéramiques-là, l'avantage, c'est qu'ils ne donnent pas vraiment de douleur post-opératoire, même si vous faites des dépassements. Donc n'hésitez pas, même si c'est derrière des dépassements, ne le faites pas, d'accord? Mais s'il y a, n'ayez pas peur, donc il n'y aura pas vraiment de douleur et de complications. Voilà, je termine par dire tout simplement que l'endodontie minimalement invasive, c'est vraiment une philosophie, d'accord? Et qu'il ne faut pas oublier que votre objectif ultime, lorsque vous faites de l'endo, oubliez le minimalement invasif, c'est de traiter tout ce qui est lésion, de conserver la dent sur arcade. Que ce soit du minimalement, non minimalement, les termes, le ninja, le samouraï, ce que vous voulez, l'essentiel, conservez vos dents. Conservez vos dents pour conserver l'os. Pourquoi? Parce qu'après, s'il va y avoir un échec, vous aurez de l'implant. L'implant, il va avoir ton os à côté. Comme a dit professeur, je suis tout à fait d'accord, l'implant, il a besoin de quoi? D'os et de sang. Et nous, on va simplifier la tâche à nos amis, à nos confrères. Et la meilleure implant, c'est vrai, c'est la dent naturelle, comme a dit docteur Zerabib et professeur Zerabib. Merci pour votre attention, d'avoir été si patient. Je vous remercie énormément. J'espère vous voir en Tunisie, peut-être, ou alors vous revoir ici en Algérie. Voilà, merci beaucoup.